The President, please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience Before reprend. We proceed, avant de continuer, We know that Nguyen Chi raises his hand, but before we proceed to him, the chamber would like to inform Nguyen Chi that the chamber has examined your request made this morning, la requête que vous avez présentée ce matin, in which you asked that the chamber settle four items in the demandez request. À la chambre d'agir sur quatre Having points que vous avez soulevés, and examined points, such ayant request, the étudié notre demande, la chambre note this request is que the old request. Ces demandes and, it has sont been les mêmes qu'auparavant. Qu'il s'agit de points qui ont été soulevés par les conseils pour la défense de Nguyen Chi et M. Nguyen Chi lui-même auparavant some of the requests dans le prétoire. Certaines entertained. De ces demandes ont the others déjà fait l'objet de pending. Décisions, d'autres sont en suspens. The decision is pending. Next, we would like to ask Nguyen Chi. Ceci étant dit, nous aimerions demander à présent is ready à Monsieur Nguyen Chi respond to questions to be put est prêt by à répondre aux questions judges of qui the bench lui seront posées par In les particular, juges the questions concerning et en particulier à répondre aux questions portant sur les faits of the trials. De ce segment du procès to the question et j'aimerais que I vous put to you ne répondiez now, qu'à la question you may que je viens with de your vous other poser. Vous pourrez ensuite you faire may d'autres proceed. Observations. Vous avez la parole. The President, Mr. Nguyen Chi, you are now instructed to respond to my question. Je vous ordonne de répondre the question à la question again que is, je vous ai posée are you prepared et que je répète, already êtes-vous prêt à présent à répondre aux questions qui vous seront posées par le juge du siège concernant les faits relevant to this segment pertinents of the trials dans le cadre in de ce segment 002/01. Du procès dans le dossier 001. Please respond to this question first. Veuillez répondre en premier lieu à cette question. Nguyen Chi, I thank you. Nguyen Chi, the chamber. Je remercie for allowing me la chambre to de me permettre have an opportunity to consult with my counsels. D'avoir l'occasion de consulter and that I was allowed to finish mon avocat et my request. De m'avoir permis de now terminer the chamber is proceeding ma déclaration to the next, et ma demande. Section. La chambre maintenant passe à la and partie in my request, suivante. For the time being, ma, I would like to exercise moment, my right to remain je tiens silent. À exercer I will mon reconsider droit to respond de to questions posed to me. Je reconsidérerai any appropriate time. Le fait de répondre aux questions that qui me seront posées au moment que je jugerai approprié. Je pense que je devrais avoir l'occasion d'expliquer au peuple du Cambodge and I would like to la question des évacuations. Et je tiens à déclarer que l'évacuation a été effectuée sur base de nécessité law. Et s'est faite en accord avec le droit international. The President, le Président, I thank you
Nunchia for stating your position concerning your right to remain silent. In light of that, we feel that de we cannot fait, proceed. Nous avons le sentiment this que morning nous ne pouvons session pas poursuivre as Nunchia has indicated that he has l'audience de la matinée puisque right Nunchia a déclaré and qu'il allait exercer son to droit ensure that de we ne pas répondre can aux questions with this problem et je suis certain smoothly and que to expedite the proceedings the chamber has decided to reschedule nos travaux or to make some adjustment to the schedule for questioning Mr. Kang Kek-il alias l'horaire et le calendrier de l'interrogatoire de amended that Deutsch will be questioned this afternoon from 2 p.m. d'interroger Duc à partir parties de 14h cet après-midi les parties à la procédure sont avisées qu'elles doivent être présentes Kang Kek-il dans le prétoire will à ce moment-là. Kang Kek-il et les deux seront interrogés sur les faits by the chamber. Qui the security ont déjà été are now déterminés. Le personnel de sécurité est maintenant bring witness chargé Kang de to his room reconduire le témoin Kang Kek-il alias Duc dans à sa since cellule. It is now appropriate time for adjournment, the chamber à l'heure de will reprise adjourn. De l'audience, la chambre va donc suspendre ses débats jusqu'à 14h. L'audience reprendra as indicated. À 14h, comme the international co-prosecutor, you may proceed. Co-procureur international, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, just one Monsieur quick le point. Président. Our point office had brillé filed a motion vraiment. Notre in relation bureau to, avait soumis une requête on the issue concernant of the consequences of sur la question des conséquences de présenter des déclarations à la Cour suivies d'un refus de répondre aux questions. Il nous semble que cette question sera également d'application pour Nunchia. Nous pensons qu'il s'agit là d'une question importante que la Cour doit pouvoir trancher et il faut que les accusés soient clairement informés des conséquences qui découleront de leur refus de répondre aux questions après avoir fait des déclarations en audience. Donc c'est à la Cour de décider de tenir une audience sur ce point ou de rentrer dans les détails particuliers qui concernent Nunchia. Mais vu les événements de la matinée, nous pensons qu'il est important d'apporter une solution au plus vite à cette question et d'informer les accusés, et l'accusé en particulier, des conséquences de ces actions. Security personnel, please be seated. Le personnel de sécurité, veuillez vous asseoir. The President,
président. Thank you, international co-prosecutor. Je remercie le coprocureur international pour ses observations portant sur right of the accused to remain silent, le droit de l'accusé to respond to de rester silencieux. La Chambre se prépare à trancher cette question et la Chambre tient à informer les parties que notre décision portera sur l'ensemble des co-accusés qui se présenteront devant cette Chambre. Le personnel de sécurité va maintenant reconduire les deux accusés aux cellules temporaires et veillera à ce qu'ils soient de retour dans le prétoire pour 13h30.